Et salut tout le monde, c'est Prince Dina pour une petite vidéo rapide. Alors dans la nuit, dans la matinée, il y a un nouveau teaser d'Aladdin qui est sorti. Et suite à un petit sondage que j'ai fait, vous êtes d'accord pour que je fasse une petite vidéo très rapide sur mon avis dessus. Donc on va plus ou moins la regarder ensemble, même si vous l'avez forcément déjà vu. Donc voilà, ça on l'avait déjà vu, hein, Iago. Il me semble pas qu'on avait vu ce plan-là. Il me semble pas qu'on avait vu Jafar en vidéo aussi, donc là on va le voir. Et comme j'en avais déjà parlé, il fait vraiment très jeune. Et sa voix en français comme sa VO est vraiment très 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 aiguë, quoi, enfin, très jeune. Abou est mignon, mais bon. Très jolie couleur. Alors Jasmine en rose. Un grand titre de la vidéo. Et si vous avez vu, on a vu une autre. On va revenir en arrière. Attendez, on va revenir en arrière. Donc Agrabat magnifique. Hein. Là aussi, on peut remarquer, il y a des jolies couleurs, un éléphant. Bon, ça fait voilà. Prince Ali. Donc là, on peut remarquer Raja qui est très très beau. Hein. Et est-ce que ce serait le génie? Non, ça peut pas être le sultan à gauche. On dirait une autre femme. Donc voilà, là, on connaît, on connaît. Et donc la chose qui a fait parler beaucoup de monde, le génie. Avec enfin une date. Alors, comme j'ai dit, c'est une vidéo rapide, on va pas y rester 200 ans. On va parler des choses principales. Donc, on avait déjà parlé de Jafar et donc Jasmine. Alors, je vais vous dire pourquoi moi, je suis content et pas content de l'avoir en rose. Je suis pas content parce que le rose, voilà, pour moi, c'est girly au possible, mais je suis content parce que s'ils ont pris la liberté de changer la tenue de Jasmine, ça veut dire qu'on va sûrement avoir un film différent. Donc, pas un copier-coller comme La Belle et la Bête, par exemple. Donc, peut-être qu'on a enfin le film qui va réussir à faire la différence, enfin le bon mélange entre le film original et comment dire et des nouvelles choses tout simplement comme Maléfique avait fait quelque chose de différent mais c'était foiré. J'avais aimé ce film, attention, j'ai dit juste qu'il a foiré ce qu'il voulait faire et voilà. Est-ce que du coup ce Aladdin va être le parfait équilibre entre la nouveauté et l'original, à voir en sachant, attention, que ce n'est qu'une robe. Elle peut très bien, tout le film peut très bien se passer comme ça, peut très bien se passer comme le dessin animé, et qu'il y ait juste des différences au niveau des costumes. Mais je pense que c'est quelque chose à remarquer, parce que après, on voit notre fameux génie différent, comme vous pouvez le voir, il est différent du génie qu'on connaît, parce que voilà, bon, c'est très peu, hein, mais bon, il a des bijoux, donc c'est quelque chose que notre génie des dessins animés n'avait pas, donc moi je trouve, vous allez dire que peut-être que je m'enflamme pour rien, mais quelque part c'est une petite théorie de ma part, comme il y a ces modifications-là, contrairement à La Belle et la Bête où ils avaient pas du tout, enfin, il y avait pratiquement aucune liberté hein, dans le costume de Belle, de la Bête, c'était exactement les mêmes. Là, il y a une différence. Donc, est-ce qu'ils vont un peu modifier le scénario? Est-ce qu'ils vont un peu modifier certaines choses? Ça a l'air d'être le cas, mais pour l'instant, c'est que esthétique. Un Jafar jeune et des bijoux pour le génie et une robe différente pour Jasmine. À voir. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Vous pouvez remarquer que les bracelets du génie font encore plus prisonnier, si j'ose dire, parce que vous voyez, ça a l'air de lui remonter sur les bras, malgré le fait que ce soit très joli. Bon, on sait très bien que le génie va finir libre, hein, il n'y a rien d'exceptionnel à ça. Mais voilà, et moi j'espère encore, comme j'en ai parlé à ma précédente vidéo sur Aladdin, j'espère encore vraiment qu'ils vont mettre la maman à Aladdin dedans. Quelque chose que Disney a été très triste d'enlever des plans qui étaient prévus au départ. Mais je vais pas en parler, on a déjà beaucoup parlé avec Princesse de pourquoi c'est dommage qu'ils aient enlevé la maman d'Aladin. Donc voilà, alors dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi je suis toujours curieux sans être impatient. Donc voilà, bisous à tous et à tout à l'heure pour une vidéo où Princesse va me rejoindre pour une petite vidéo spéciale. À tout à l'heure.